Bonsoir à tous, bienvenue dans le QG. Aujourd'hui, on reçoit le Rabbin des Bois, qui est un hacker français qui a sorti un livre. Il va nous parler du Darknet. Alors, il a choisi de préserver son anonymat. J'ai choisi de faire pareil. Vous ne m'avez pas reconnu non plus. Jimmy, il a choisi aussi de garder son anonymat. Chacun. Pareil. Alors, on est d'accord que dans le public, personne n'a reconnu Jimmy. Merci, bon. Donc c'est que ça marche, on peut rester comme ça. Oui. On peut accueillir le Rabbin des Bois, qui est venu aussi masqué. Ça va bien ? Après ça, ça va. Ah, tu l'as retiré, quoi ? Ah bah ouais, parce que ça va être chaud sinon. C'est la cagoule de calage criminel en polaire. Voilà. Donc autant te dire que l'émission serait longue. Toi, on dirait que t'as mal aux dents. Mais j'ai mal aux dents. Tu sais, ça fait vraiment comme ça, quoi. En tout cas, merci beaucoup de venir. Merci à vous de m'inviter, les frères. Ça fait plaisir. T'as sorti un livre qui s'appelle Lève-toi et Code. On se tutoie, on se vous voit. Tu peux me tutoyer, y'a pas de soucis. Et je t'appelle comment ? Rabbin des Bois. Comme tu veux. Rabbin des Bois. Monsieur le Rabbin. Monsieur Rabbin. On va t'appeler Rabbin. Rabbin des Bois. T'as sorti un livre où tu racontes ta vie. Ouais. Sur le hacking et sur le côté sombre un peu du net, finalement, sur le darknet, sur le deep web, t'en parles aussi dedans. J'ai tout lu, je suis pas un expert, mais on va essayer de revenir un peu sur ta vie. Tu nous arrêtes quand on se trompe, tu nous expliques, tu donnes des précisions et tu vas nous montrer, je crois, deux, trois trucs dans l'émission. Ouais, on va essayer, mais je suis pas non plus un expert. C'est juste que j'ai utilisé internet pour me sortir de ma condition sociale et que n'importe qui pourrait le faire aussi, quoi. C'est-à-dire gagner de l'argent, pour parler... Oui, c'est pas, tu vas pas nous faire une démo pour te la raconter ou quoi, c'est juste pour nous montrer quelques petits trucs, ce que l'on peut faire, un exemple de ce qu'on peut trouver sur le dark web. Moi, ça me passionne un peu, le dark web. Moi, mon téléphone, je vais le barrer, quand même. Tu vas éteindre le téléphone. On commence toujours par le CV de l'invité. Okay. Petite question courte, réponse courte, c'est parti. Ne me hack pas, s'il te plaît. Nom, prénom, âge. Je m'appelle Rabbin des Bois, j'ai 404 ans. Magnifique. Situation familiale. On te pose la même question à tous les invités, donc même si... Je suis rabbin, frère. Tu es rabbin, très bien. Revenu fiscal déclaré. En bitcoin. Ça, à chaque fois que tu poses cette question, je me dis qu'il doit y avoir un mec à Bercy, chez Tracfin, il doit être abonné de fou à votre chaîne YouTube. Il doit regarder, il doit regarder les expressions faciales de chaque invité et il y a des contrôles fiscaux qui ont dû partir de fou. J'ai jamais pensé à ça, donc. J'ai jamais pensé à non, ça. Non, le seul qui nous a dit, c'est Yves Cochet, c'est l'ancien ministre, il a dit son salaire. 6 000. 6 000 par mois. Ça, il était ministre aussi, facile pour lui. Ouais. C'est vrai. Point sur le permis de conduire. Je vole, frère, je conduis pas. Oh, putain. C'est vraiment une réponse. C'est très bizarre quand même. Vas-y. Alors, est-ce que tu as quelque chose d'illégal sur toi ? Ou dans oui, j'allais dire non, mais... Bah non, en fait. C'est-à-dire que c'est l'utilisation que t'en fais qui peut être illégale, mais l'objet en lui-même ne l'est pas. Très bien. Est-ce que ton entourage est au courant de tes activités, pour l'interrogation ? Pas vraiment, non. Non ? Non. Personne ? J'ai pas vraiment d'entourage, en fait. Ouais. Donc, pas vraiment, non. Ça veut dire... Non, mon père il sait que j'ai écrit un livre, mais il sait pas vraiment. Ok. Enfin, il sait pas le livre, ton père ? Bah, pas vraiment. C'est vrai ? J'ai pas osé lui dire en fait. J'ai trop honte. C'est compliqué, mais j'ai un peu honte de moi aussi, et c'est pour ça que je suis masqué. C'est pour pouvoir conserver une authenticité dans le message que j'essaye de diffuser. Tout ce qui compte, c'est ce que tu dis, et du coup, c'est pour ça que je garde un masque. Pour juste qu'on entende ce que t'as à dire. Plus grosse somme gagnée en une seule journée ? Une soirée, on a généré 40 000 euros en une soirée. Ah quand tu génères 40 000 euros en une soirée, tu relativises un petit peu ce qu'on dit par rapport à comme quoi gagner 5 ou 10 000 par mois, c'est beaucoup, tu vois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas en fait de... Je considère qu'il n'y a pas véritablement de moyenne ou de médiane sur le spectre de l'argent. L'argent, c'est infini. Si tu penses que gagner 5 ou 10 000 par mois, c'est beaucoup, c'est parce que tu as été conditionné pour penser ça. Et enfin voilà, quand je dis 40 000 en une journée, mais c'est rien hein, quand tu regardes combien certaines entreprises gagnent, ne serait-ce qu'à la seconde, ou certains footballeurs. C'est... Ouais, pour une personne, c'est ça, relatif, c'est beaucoup, quoi. Tu vois. Pour une personne toute seule, nous, c'est mais parce que tu penses que 40 000, c'est beaucoup. Ouais. Mais c'est pas... Je sais pas, c'est pas tangible, tu vois, c'est juste des lignes d'octets, c'est juste... Enfin, je sais pas. Je vois pas vraiment l'argent, en fait, de manière physique. Je le vois plus de façon digitale. Ok, ok. Dernier remords à cause d'un hacking, et après on commence l'émission. Remords ? Ouais, est-ce que t'as eu des remords ? Aucun regret. Jamais ? Jamais, non. Jamais ? Bah non, je suis en phase avec moi-même, je pense savoir ce que je fais, je sais que j'essaye de faire du bien et pas du mal. J'ai arrêté toute activité illégale depuis presque 2 ans, j'en suis très content. Aucun remords, frère, aucun regret. Alors, pour parler de ta vie, t'as grandi où, toi ? Tu viens de France ? Alors, de Chevilly-Larue. Et après 14 ? Voilà, exactement. Et voilà. Excuse-moi, tu veux rien donner sur ma phrase en fait, j'ai pas trop envie de... C'est normal. J'ai dévoilé vraiment au compte-gouttes les informations qu'il y avait sur moi justement pour pouvoir rester anonyme le plus possible. La seule chose que je puisse te dire, c'est que j'ai perdu ma mère quand j'étais jeune, à un âge où j'étais
trop vieux pour l'oublier, mais trop jeune pour l'accepter. Et c'est ce qui, en fait, m'a déclenché ma gifle de lucidité dans la gueule, en fait. C'est-à-dire que j'ai compris qu'avec les écrans, on pouvait gagner beaucoup d'argent, que c'était le futur, et que c'était pas les gens qui utilisaient leur téléphone, mais la plupart du temps, les téléphones qui utilisaient les gens. La numérisation de notre société, c'est réel. Moi, je suis un gosse des années 90. J'ai grandi en jouant au foot, mais aussi en découvrant ce que c'était que Pokémon sur Game Boy Color, tu vois. Aujourd'hui, le gosse, il naît à 7 ans, il a un iPad. Et il l'utilise mieux que son père. Donc, eux, ils vont pas connaître ce que c'est que grandir sans ordinateur, mais nous, on l'a connu. Et c'est justement, en fait, c'est en grandissant comme ça que j'ai réalisé le potentiel des écrans, que ça omnibulait les gens de fou. Et plus le temps passait, en fait, et plus je m'en sortais bien, je gagnais de l'argent, et du coup, j'ai continué, en fait. Ça arrivait comment? C'était au collège, au lycée? Non, c'est comme... C'est compliqué, en fait, c'est un tout. C'est-à-dire, quand ma mère, elle est décédée, j'ai été confronté à des réalités de la vie que tu peux pas esquiver. Mon père, il est passé par la DAS, je suis petit-fils de déporté. Voilà, frère, j'ai grandi avec des lieux où parfois il y avait des coupures d'électricité, des souris, des choses pas très bien, pas très propres. Et j'ai réalisé que j'étais pauvre, en fait. Tu m'as d'ailleurs envoyé un message pour Julia Valac qu'on a reçu. Ouais. Une dame déportée qu'on a reçue il y a quelques semaines pour nous dire que tu avais apprécié l'émission. Et... C'est parce que la façon de faire du journalisme est en train d'évoluer et c'est très important d'avoir des témoignages comme vous avez fait. Je pense que c'est une... Pour le coup, tu parlais de Bonne Action tout à l'heure, je pense que vous en avez fait une en faisant ce témoignage parce que vous avez su l'aborder avec beaucoup d'intelligence et de justesse. Et c'est très rare, je trouve, dans tout ce qui est rescapé de la Shoah. Merci beaucoup. Au début, tu crées une sorte de start-up d'arnaque téléphonique. Ouais, c'est-à-dire que... C'est ton premier pas dans le hacking. Ouais, c'est-à-dire qu'au début, c'était avec PayPal, en fait. Et c'est assez compliqué, mais c'est-à-dire que... En gros, à l'époque, PayPal, c'était pas ce que c'était maintenant, OK? C'était pas la première banque, la première e-bank du monde, c'était pas aussi développé. Et si tu veux, si d'un compte A, tu volais de l'argent pour l'envoyer à un compte B et que le compte B l'envoyait au compte C... Bah, le compte C n'était aucunement responsable de ce qui s'était passé sur le compte A, en fait. Et tu pouvais créer une boucle de façon, en fait, à gagner de l'argent sans que l'addition ne soit jamais payée par personne, sauf par PayPal. Mais t'as appris ça où? Parce que moi je peux... Bah, franchement, à l'école, à l'école. Non, justement, tu vois, c'est tout l'inverse de l'école. C'est-à-dire que bah, quand j'ai réalisé que j'étais seul, pauvre, à l'école, on me parlait de Pythagore, de Thalès, ou trucs comme ça. Mais moi, ce que je voulais, c'était gagner de l'argent, c'était m'en sortir, c'était m'élever, en fait, sociétalement. Okay. Et... Internet m'a tout appris. T'as été fouillé, t'as été regardé. Exactement. Ouais, c'est ça. Mais t'as réfléchi, du coup, quand même, parce que t'as inventé des méthodes. C'est comme ça que ça commence. Et après, t'es contacté par une personne que tu appelles le K, qui est une fille, c'est ça? Le K, c'est censé illustrer, en fait, les mentors que tu peux rencontrer sur Internet. Tu vois, très souvent, c'est comme ça. Moi, j'ai aucune prétention là-dessus. Je suis pas un expert en cybersécurité. Je suis pas un chercheur en cybersécurité. Je suis juste un gosse des années 90 qui a gagné de l'argent avec son ordinateur et qui espère pouvoir le montrer aux gens et dire voilà, c'est possible de le faire. Oui, mais après, c'est pas une vie qu'on peut conseiller. Si toi, tu conseillerais? Moi, j'invite à développer la conscience numérique. Réaliser qu'on passe tous 15 heures par jour devant un écran, mais que pour autant, l'écran, il te sert à rien à part te rendre malheureux. Moi, je t'invite à gagner de l'argent avec ton écran, par le biais de ton écran, c'est tout. Je suis une flèche de direction, frère. Je suis ni plus ni moins que ça. J'ai pas la prétention de pouvoir éduquer les gens ou quoi que ce soit. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie. Après, ce que certains définiraient comme étant un crime ou un cybercrime, c'est des grands mots, tu vois. Au final, c'est des lignes de code et tout, faut relativiser quand même. Le cas, quand cette personne te contacte et pirate ton ordinateur et commence à te pourrir la vie, ouais. Ça commence comme ça. En gros, il y a beaucoup de personnes, donc, quand tu as 14, 15, 16 ans, qui veulent jouer au Dark Hacker de la mort qui tue et qui réalisent bien vite, en fait, les conséquences de leurs actions. Et bien souvent, c'est très néfaste. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas du tout inciter au cybercrime, par exemple, mais je sais que peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire « Waouh, gagner de l'argent sur Internet, c'est trop simple, je me lance comme ça. » Mais c'est comme ça, en fait... Que tu te fais baiser. Que tu te fais... Exactement, parce qu'en fait, si tu veux télécharger aujourd'hui... un logiciel, par exemple, pour dump des databases, il y a une chance sur deux pour que tu télécharges un logiciel qui lui-même soit backdoré, en fait, dans lequel se trouve un virus et que tu te fasses toi-même hacker, en fait. Ça, c'était la suite, justement, de ton histoire. Tu rencontres, en gros, le cas. Enfin, tu rencontres pas, mais elle te contacte, ouais. Elle te pirate quand tu commences à vouloir un peu te chauffer sur le hacking. Elle te contacte et là, elle te pourrit la vie et t'envoie, je crois, 30 pizzas par 30 pizzas chez toi. Premier truc, c'est ça? Ça, c'est vrai, cette histoire aussi? C'est pas à moi que c'est arrivé, en fait. Mais concrètement, ça, c'était aussi pour montrer que le cyberharcèlement, c'est réel et tout, qu'une adresse sur Twitter, ça peut enchaîner en corbillards qui sont livrés chez toi ou des trucs comme ça. En fait, c'est pour sensibiliser les gens. Mais ça m'est pas arrivé à moi, non. T'as 30 pizzas devant chez moi, je suis content, moi. Ça dépend, frère, parce que si tu dois les payer et que tu retrouves avec une note de facture de 300 balles, tu manges pas de porc, la pizza, elle est au salami, t'as le seum. Mais ça existe.
ça existe le. Bien sûr, ça existe. Pas le cyberharcèlement, je parle sur Twitter. Non, non, mais je parle pas de Twitter, je parle sur le dark web. Est-ce que tu peux te faire attraper par un mec qui est plus fort que toi? Bien sûr. Et qui a dit t'as joué, maintenant tu vas voir. Bien sûr, bien sûr. Chaque lien que tu cliques sur le darknet, ça peut être ton dernier. Une personne à qui tu parles, ça peut être la mauvaise, ça peut être un flic, bien sûr. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que le dark web, c'est aussi le. Enfin, les darknet markets, c'est les terrains de chasse de toutes les agences de renseignement et donc de la police, en fait. C'est-à-dire que tu peux être amené c'est à mélangé, parler avec un mec sur MSN, tu penses que c'est, j'en sais rien, un mec qui va t'acheter un virus, mais non, 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 c'est un employé de la NSA qui est en train de se renseigner sur ce que tu fais. Tu nous as montré un ordinateur. est-ce qu'on peut montrer ça? Ah, bien sûr. Première explication. En gros, c'est un ordinateur assez ancien, hein, tu m'as dit. Voilà. Ouais, c'est un Lenovo classique, les frères. Ça vaut 400 euros dans n'importe quel magasin. Enfin, c'est vrai, on pourrait l'utiliser sur n'importe quel ordinateur. Bah, le système d'exploitation de base, c'est Windows. Mais là, ce qu'on va voir aujourd'hui, en fait, c'est un système d'exploitation qui s'appelle Tabs. Cette clé-là, en fait, à quoi elle sert exactement? En gros, tu ne vas pas, démarrer ton ordinateur sur Windows. Tu vas démarrer ton ordinateur sur Tabs, qui est un système d'exploitation qui est basé pour protéger ta vie privée et pour maximiser tes chances d'anonymat, en gros. Mais concrètement, tout se passe sur la clé USB. Il n'y a rien qui va être inscrit sur le disque dur. Tout se passe sur la RAM, en fait, et ce qui fait que la session est amnésique. C'est-à-dire qu'on va... Elle est enregistrée nulle part, il n'y a aucune mémoire. Voilà. Bon, après, ça dépend. Si tu vas sur Internet et que tu écris « Je m'appelle Guillaume Play », bah, ça sera là à tout jamais, quoi. Mais ce que tu fais normalement, en tout cas, sur la session, sur l'ordinateur, ce n'est pas enregistré. Ça marche ou pas? Ouais, bien sûr, bien sûr. Voilà, en gros, bon, t'as là, la marque de l'ordi. Voilà, et donc là, en gros... Et là, en fait, ça lance pas Windows, voilà. Ça lance Tails, on te propose d'installer Tails directement. Donc c'est une clé et qui permet, en gros, à quoi? D'aller voir sur le dark web? C'est basé pour vraiment essayer d'anonymiser au maximum ce que t'es en train de faire. Après, je veux pas que ça soit mal perçu dans le sens où il y a aussi énormément de journalistes qui utilisent ça, par exemple, parce qu'ils ont peur d'être traqués par leur gouvernement. Quand tu regardes ce qui peut se passer, par exemple, actuellement à Hong Kong ou n'importe où dans les pays où il y a des révolutions, un journaliste qui veut faire son métier sérieusement et qui a peur de se faire suicider de balles dans le dos, qu'est-ce qu'il fait, frère? Il va utiliser Tails. Notamment Snowden. Snowden, Laura Poitras, qui est la journaliste qui a réalisé le docu sur Snowden, elle utilisait ça. Énormément de journalistes, en fait, vont utiliser ça s'ils ont peur pour eux ou pour leur vie privée. Et Edward Snowden, c'est un gars qui travaillait pour la NSA et la CIA et qui, en fait, moi, je connais le nom depuis longtemps, comme tout le monde et tout ça, mais j'ai regardé le film exprès quand j'ai su que tu venais. Et en fait, ça m'a vraiment choqué. Ouais. C'est une histoire vraie. Bah, bien sûr. C'est un vrai personnage, Edward Snowden, qui a, en fait, raconté aux médias, en fait, ce qu'il faisait, lui, à l'intérieur de la NSA, etc. Il a fait un programme d'écoute globale à l'international, ouais. Où, en fait, il dit que tout ce que tu as dans ton téléphone, ils l'ont déjà. Ils sont obligés de savoir qui tu baisses, que tu manges, que t'écoutes, en fait. C'est parce qu'ils ont besoin de te contrôler pour te vendre des choses et leur vendre leur idéologie. Parce que la manière de consommation des médias, elle a totalement changé. Aujourd'hui, tu ne regardes plus la pub à la télé. Quand il y a la pub à la télé, tu regardes ton téléphone. Ils savent très bien que c'est les écrans, notamment de téléphone, qui peux communiquer avec la viande, avec le moldu. Donc eux, ils vont utiliser ta data. La viande, c'est une personne que tu niques, en fait, en gros. Ouais, on est tous des viandes, hein, quelque part. Hein. Non, mais en vrai, moi, si on me dit, tiens, l'État français, ils ont un logiciel d'intelligence artificielle qui me prend tout. Ouais. Au cas où, ça permet d'arrêter tous les terroristes, parce que c'est un truc intelligent, moi, je n'en ai rien à branler, en vrai. S'ils veulent voir mais tu une vois, photo ça, c'est grave. Tu vois ça, c'est grave, parce que tu dis, en gros, quand t'as rien à cacher... Non, si ça peut permettre de sauver des vies et de sauver... Imaginons, hein. Non, mais moi, je suis dans un monde idyllique. Mm-hmm. Mais moi, ce que je me dis, parce qu'on a chacun un point de vue différent de ce qu'on a vécu ou quoi... Nous, il y a eu des attentats dans Paris, etc. Machin. Je me dis, putain, si ça pouvait, tu vois, ce sauver genre de logiciel... Vies. Quand tu vois Snowden, tu dis, putain, c'est le futur. Permettre d'attraper des gens... Dans la réalité, en fait, les outils de renseignement comme cela, ils empêchent très, très, très rarement des attentats. C'est-à-dire, après, il ne faut pas déconner, il faut rendre hommage à nos services qui empêchent des attentats tous les jours. Ils sont c'est là, très important et qui sont là et qui travaillent. Ouais, ouais. Mais quand on parle d'espionnage ou de renseignement, c'est avant tout à but étatique, pour renforcer une nation ou alors pour du business. Ça va être de l'espionnage de corporation. Tu veux voir ce qu'on peut faire un petit peu sur Tails ou pas, frère? Vas-y, vas-y, vas-y. Donc là, ça, c'est Tails. Donc là, on dirait que c'est Windows 95. Non, mais en termes de définition, tu vois. Donc, tu vas avoir plusieurs types d'applications. Tu vas avoir Tor Browser. Donc, Tor Browser, c'est ce qui permet d'utiliser Tor. Et donc, de facto, d'accéder au Darknet. C'est la première fois que je vois des images du Darknet, moi, réellement. Donc, l'intérêt, là, si t'arraches la clé, imaginons, t'envoies un article, ou j'en sais rien, un journaliste... Voilà, là, par exemple, admettons qu'on ait fait quelque chose d'illégal, ou qu'on ait envoyé un mail, et que si t'en as cette clé, en gros, l'intégralité du truc... Oh là là. Et là, il y a tout qui disparaît. Ouais. Là, il n'y a aucune trace. Aucune trace. Putain, c'est incroyable, ça. Et ça s'achète sur le dark web. Ah mais frère, c'est gratuit, c'est open source. Hein. Ça veut dire que ça, n'importe qui, vous rentrez chez vous, vous l'installez sur votre clé USB et genre vraiment. Hein. Et ça prend 25 minutes. Hein.
Putain, c'est incroyable. C'est gratuit, hein. Ok, ouais, je pense que là, dans le public, tout le monde s'est dit. C'est... Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut montrer des images sur le dark web qu'on a sélectionné? Tu nous expliques un peu ce qu'on voit. Première petite photo. On en a plusieurs. Hein. Il y a différents types de markets. On en parlait. Il y a des markets d'armes. Ouais. D'armes à feu. Et ça, c'est hallucinant. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de permis, de quoi que ce soit. Ouais. C'est un vrai site internet. Moi, je ne savais pas que le dark web, je croyais que c'était plus des lignes de code noires, machin. Non. Attends, on va expliquer un peu ça, mais tu peux avoir une Kalachnikov pour 1400 enfin, ou 2800 dollars, des balles à 30 centimes, et tu reçois chez toi? Moi, j'ai une question débile. Je pense qu'elle est débile, mais comment ça vient chez toi? C'est la poste, c'est quoi? Non, mais tu vois, comment ça vient chez toi? Il y a les camionnettes de dark web, je sais pas quoi. Bien sûr, non. Tu vois? UPS. Ouais, c'est ça, mais je sais pas. C'est livré par voie postale. Après, où est-ce que c'est livré, ça dépend de toi, tu vois. C'est-à-dire, si tu veux aller mettre ton adresse, c'est pour toi, mais la majeure partie des gens qui sont dans ce milieu, ou voilà, ils ont ce qu'on appelle des drop house. Et en gros, c'est des domiciles dans lesquels soit il y a personne qui vit, soit c'est pas. Ok. Et en gros, ils se font livrer là-bas, quoi. Honnêtement, c'est un peu inquiétant. Ouais, je comprends que ça le soit, mais après, tu sais, ça peut être une illusion. Ça se trouve, le marché, il est pas réel. Peut-être que personne va te l'envoyer. Peut-être que tout ça, c'est fait juste uniquement pour te baiser. Voler ton argent, tu vois. Ouais. Ça se trouve, il y a énormément aussi d'arnaques et de. Sur le dark web. Ouais, bien sûr. Mais après, c'est pas pour autant que tu vas le recevoir chez toi. Je veux dire, les flics peuvent s'en rendre compte, UPS ou n'importe qui peut. Ah, ils peuvent te saisir le truc et. Bien sûr, c'est pas. En France, il me semble que t'es pas responsable de ce qui arrive dans ta boîte aux lettres. C'est passionnant le dark web. Tu peux avoir des cartes de crédit sous forme digitale, ça veut dire les 16 chiffres, le CVV. Regarde. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Ça c'était Alphabet, ça c'était à l'époque, c'était la bonne époque, les frères, putain. Attends. Attends. En gros, pour 110 dollars à droite, une carte bleue, ça vaut 10 balles. Ouais, je te le dis, c'est une carte bleue. Les informations d'une carte de crédit, ça vaut entre 10 et 20 balles. Je crois qu'on avait un visuel en régie. Voilà. En gros, les données d'une carte bancaire, ça c'est toi qui l'as marqué dans le livre. En gros, ça se vend entre 5 et 20 dollars. Mais là, on parle pas de. Tu reçois pas la carte bancaire chez toi. On parle vraiment des informations en mode les 16 chiffres, la date d'expiration, le CVV, ton nom, ton prénom. On parle des informations classiques en fait, d'une carte de crédit. Ouais, ça vaut entre 5 et 20 balles. Et 100 000 adresses email à 50 dollars, ouais. C'est toi qui le faisais. Ouais. À un moment donné, t'étais spécialisé. Il était vraiment famille, incroyable. Il était familial, c'était tarif. Tarif familial ? Ouais, vraiment. Je me suis fait pirater il y a 3 semaines, moi. Mais non ! Si, si. 3 700 euros. Quoi ? 3 700 euros sur une American Express. Mais tu t'es sûr ? Ah bah oui, ils m'ont remboursé. Ouais. J'ai appelé. Je t'avais volé 6 000, frère, t'es sûr ? De quoi ? Et en fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai. Alors, ce qui est marrant, non, c'est pas marrant, mais je sais pas comment ils ont eu ma carte déjà. Mais surtout, j'ai regardé un peu les relevés. Okay. Et en fait, il y a un truc à Hong Kong, un truc à Shanghai et 2 dollars un burritos dans le Texas. Mais c'est véridique, je vous jure que c'est vrai. Hein. Alors, c'est, le burrito, ça peut peut-être être ce qu'on appelle un truc pour tester que la carte, elle est live et qu'elle marche. 2 dollars. C'est, tu fais une transaction soit de moins de 1 dollar juste pour être sûr qu'en gros, elle soit pas dead ou qu'elle soit pas. Ah oui, pour voir si ça marche toujours. Il y a carrément des supermarchés, en gros, de la drogue. C'est-à-dire que ça s'affiche comme ça et tu choisis vraiment. Ouais. Et c'est pareil, tu reçois à la maison. Je crois qu'il y a de tout, Lacoste bleu, Ecstasy, machin. Ça fait beaucoup de mal le Darknet d'ailleurs, parce que le Darknet, au début, c'était pas forcément que drogue, c'était plus tout ce qui est hack, tout ce qui est carding, tout ce qui est. Enfin, en gros, voilà quoi, des arnaques si tu veux. Et la drogue, du coup, ça a amené tout ce qui est police sur le dossier, et c'est ce qui a fait que maintenant c'est mal perçu, entre guillemets. C'est quoi ce service en bas à gauche ? Service, c'est les mecs qui vont me proposer de faire disparaître quelqu'un. Alors, c'était ma question suivante. Mais par contre, je pense pas que tu le trouves véritablement sur ce market-là. Est-ce qu'une tête nucléaire ? Non. Moi, j'ai jamais vu ça, pas grosse comme ça. Hein. Ça, par la poste, ça passe pas, par contre. ça passe pas, c'est sûr. Y a pas de camion, y a rien, tu vois. Ça, c'est sûr. Mais est-ce que ça se vend sur le Darknet, peut-être ? Moi, en l'occurrence, j'en ai pas vu, mais ça pourrait très bien. Enfin, ça pourrait. Ça pourrait. C'est-à-dire que s'il y avait un lieu dans lequel tu devais dealer quelque chose comme ça, ça serait le Darknet. Est-ce que des lance-roquettes, ça peut se trouver vraiment sur le Dark Web ? Lance-roquettes, je sais pas. Très honnêtement, je sais pas. Je pense que c'est un peu trop énervé quand même. Non, je pense pas. Est-ce qu'on peut louer les services d'un hacker pour se venger de son ex en piratant ses comptes ? Ouais, bien sûr, tu m'envoies un message sur Instagram et tu. Non, mais ça c'est possible en vrai. Pas pour une copine, hein. Non, mais de louer les services d'un hacker pour quelque chose. Pour tout ce qui est. Pour une société. Espionnage industriel, exactement. Ça veut dire que tu vas être dans une industrie, tu vas avoir besoin, je t'ai mis n'importe quoi, d'un fichier client de banque, ok, de personne qui a, je sais pas, des comptes français. Tu vas essayer de lui revendre ces fichiers clients-là. Et lui, il va utiliser ça pour après se faire monter dans son business, tu vois. En fait, tout est en fonction de secteur.
mais il y en a pour tout le monde, puisqu'il y a des bases de données pour tout. Donc tu peux tout copier, bah, tout aller voir. Est-ce qu'on peut faire tuer quelqu'un sur le Darknet réellement? Ou c'est un mythe? Tu peux prendre contact avec des gens qui font disparaître d'autres personnes. Je pense que ouais. Après, moi j'en ai jamais vu. Je sais que j'étais pas du tout dans des sphères ou des milieux où qui nécessitaient ce genre de dinguerie. Je restais dans quelque chose qui était purement pécunier et financier. Oui, tu vois, oui, j'étais pas du tout. Mais ouais, bien sûr. La data, toi, t'étais. Mais si tu veux trouver quelqu'un, je pense que tu peux, bien sûr. Tu peux, parce que je me dis, en fait, t'as l'impression que c'est un autre monde. Il y a même des cotes, frère. Il y a des cotes en fonction. Les gosses, c'est plus cher. Les politiciens, c'est plus cher ou inaccessible. C'est atroce, mais je sais que c'est classifié en fonction du statut social de la personne, quoi. C'est des notes et tout ça sur les. Bah, c'est-à-dire que si tu veux tuer une mère de famille, ça va être plus cher. Ah putain. C'est-à-dire qu'il y a une classification monétaire en fonction du statut social de la personne que t'essayes de fumer. Donc. Mais ça, si ça existait. Moi, c'est ça que je comprends pas. C'est irréel pour moi. C'est parce qu'on est au début. Au début ? Ouais, on est au début de tout ça, on est au début de la révolution numérique. Et concrètement, peut-être que là, si en vrai tu veux engager un tueur en gage, tout ce que tu as besoin d'aller faire, c'est, je sais pas moi, contacter une entreprise privée, militaire, un truc comme ça, et il y a un mec qui va te l'ordonner, peut-être que dans 10-20 ans, le réflexe, ça sera d'aller sur Internet. Peut-être même que tu auras une application pour ça, frère. Je déconne, mais tu vois. C'est Black Mirror, quoi. Enfin, ouais, c'est pas Black Mirror. Enfin, ouais. Est-ce qu'on peut faire élire quelqu'un sur le Dark Web ? Tu peux faire élire quelqu'un grâce à Internet, t'as pas besoin du Darknet. Mais tu peux faire élire quelqu'un grâce à Internet, bien sûr. C'est-à-dire ? Tu peux faire penser ce que tu veux à n'importe qui. Moi, par exemple, l'année dernière, je me suis fait menacer par un compte sur Twitter, OK ? Et il y a un chercheur en cybersécurité qui a remonté ce compte et qui s'est rendu compte qu'en fait, c'était un compte qui était piloté par une agence de renseignement étatique et qui, en fait, était actif que à des élections présidentielles ou députés en France. Donc, c'était pendant nos dernières élections. Et en fait, c'était un compte qui s'appelait Islam Mon Amour et qui utilisait l'image de l'islam, donc en se faisant passer pour un musulman ou une musulmane pratiquante, et qui écrivait des phrases de ouf, du genre « Aujourd'hui, je suis sorti dans la rue, j'avais envie de taillader les koufars ». Tout ça pourquoi ? Pour que toi, devant ton écran, tu t'indignes et que tu votes Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'en fait, c'est compliqué parce qu'il y a ceux qui utilisent leur téléphone et ceux qui se font utiliser par leur téléphone. Si t'as pas la conscience numérique nécessaire pour réaliser ce qui est en train de se passer et le monde dans lequel tu vis, tu peux tomber dans le panneau. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont voté Marine Le Pen à cause de Twitter. Ou Emmanuel Macron, j'en ai rien à foutre, je suis pas dans la politique. Oui, on parle. Ce que je veux dire par là, c'est que Internet, c'est le meilleur vecteur d'attaque pour manipuler quelqu'un ou lui faire changer d'avis. Et ça, il l'utilise aussi en France ? Ouais, bah ça, en l'occurrence, c'était français, frère. C'était un compte français qui voulait inciter à la haine de l'islam en France. Et tu peux être même certain. Donc, en gros, le tweet, je me suis fait menacer, ok, c'était un tweet à Trabant des Bois, et je me suis fait menacer de mort, tout ça, on sait ce que t'as fait, t'aurais pas dû parler de la Russie, tu vas mourir, blablabla. Et après, il y a une recherche à partir de ce compte-là. On a vu qu'il y avait plein de comptes qui salissaient l'image de l'islam en France pour pouvoir faire monter Marine Le Pen. Mais quelque chose comme ça. C'est déjà passé, tu vois. Donc c'est en train de se faire actuellement. Quand t'as des comptes comme ça, t'as déjà eu peur, en vrai ? Peur ? Non, ouais, non. Chez toi. Est-ce qu'il y a une fois, tu t'es dit, là, je touche à des trucs ? Ouais, bah quand je me fais menacer par la Russie sur Twitter, ouais, tu... Tu flippes un peu. Ouais, t'es pas serein, frère. Ah, la Russie ! Ah, la Russie qui me menace, donc là, génial. T'es pas serein. Mais après, enfin, je suis pas dans un niveau où je me dis que je suis espionné par une agence à trois lettres ou un truc comme ça. Tu vois, la DGSI, ça fait très bien qui je suis. Je veux dire, tu vois, je représente aucune menace, que ce soit pour n'importe qui ou pour l'État ou quoi que ce soit, donc il n'y a pas besoin. Tu m'as dit un truc, on s'est eu au téléphone 2-3 fois avant que tu viennes pour préparer l'émission. On s'est dit, tiens, je vais te lancer là-dessus, machin, etc. Tu m'as dit un truc qui m'a marqué, et j'en ai même parlé à plein de potes, etc., qui ont des enfants. Tu m'as parlé des babyphones en ligne, ou des babyphones avec le Wi-Fi chez soi, on peut voir son petit qui dort, etc., machin. Et les caméras aussi de surveillance qu'on a sans fil. Ouais. Tu dis qu'il y a des hackers sur le dark web qui vendent genre 5000 liens pour 20 balles et les gens regardent le babyphone chez toi, regardent ta femme dans la douche. Je veux te dire, tout ce qui est connecté à Internet est par définition vulnérable. Ouais. Putain, c'est flippant. Hein. Il y a un autre truc que tu m'as dit aussi, c'est sur Instagram. En gros, tu dis à un moment donné dans le livre que t'as acheté en fait des comptes Instagram en millions, tu dis pas. Enfin, on avait un mass account créateur qui est en gros un logiciel qui te permet de créer des comptes en masse. Et tu le vendais à des gens dont on ne citera pas les noms, on s'en fout. Mais donc ça existe vraiment. Bien sûr, l'achat de followers, de à likes. À des gens de télé-réalité. C'est connu. En manque de notoriété, c'est ce que tu dis exactement c'est ta phrase dans le livre, qui t'appellent et qui te disent, écoute, j'ai pas assez de follow, j'aimerais avoir 1 million de followers en plus, etc. Tu fais grandir son compte, tu rajoutes des likes, tu rajoutes des commentaires, tu peux tout faire en fait. Bah, et pas que moi, hein. N'importe qui pourrait le faire. Hein. Mais c'est important de notifier aussi que même s'il y a le mec de télé-réalité ou le politique ou quelqu'un qui veut redorer son image,
Il y a aussi la fillette de 14 ans qui est au collège et qui n'a pas confiance en elle, tu vois, et qui se fait clasher parce qu'elle a 3 likes sur sa photo Insta. Et ça, ça fait mal au cœur, frère, parce que ça illustre une société qui est profondément malade. Et quand tu vois que les gens, ils jugent en fonction du nombre d'abonnés, de likes, de tout ça, c'est répugnant, c'est dégueu. Enfin, on arrive dans un monde où tout est tellement fake et tout est tellement hypocrite, en fait, où, je sais pas, il y a une sonnette d'alarme à tirer. Toi, t'as vécu le harcèlement scolaire, petit ? Non, frère. Non, ça serait faux de te dire que j'ai vécu le harcèlement scolaire. J'étais le bouffon de la classe qui s'est forcé d'être drôle parce que sa vie l'était pas. Et j'étais le mec, tu me voyais jamais. J'étais pas aux soirées, frère. Tu vois, j'avais pas d'amis, de trucs de soirée. Moi, c'était mon PC, frère. J'ai passé mon enfance et mon adolescence à être devant un écran. Je vais pas faire Zarma, à faire le mec. J'étais en soirée ou je sais pas quoi, c'est faux. Tu dis, j'ai perdu 10 ans de ma vie à apprendre ce métier, en gros. Ouais, j'ai passé 10 ans devant un écran. Je le regrette pas du tout aujourd'hui. Je dis, j'ai perdu, effectivement, la phrase, elle est un peu forte. Mais ça m'a permis de devenir ce que je suis aujourd'hui. T'es pas triste d'avoir... C'est pas que t'as pas de vie à côté, mais quand tu dis que t'as pas d'amis, etc., t'es pas triste ça? Bah non, pas sortir en soirée, entre guillemets. J'ai pas grandi comme t'as grandi, donc je peux pas comprendre ce que t'as compris. Moi, je m'en terrabats les couilles Pardon, gigaoctet. Pardon, excuse-moi, mais genre, mais ce que je veux dire par là, c'est que... Enfin, je connais pas tout ça, tu vois. Je vais pas faire semblant. C'était avant ou maintenant, t'as une vie sociale? Non, enfin, tranquille, tu vois. Je suis pas remis sans amis non plus, mais ouais, j'ai du mal avec les relations sociales, frère. Et quand t'as grandi, t'as voulu faire Sciences Po. Ouais. Et tu t'es retrouvé à un moment donné à aspirer les données de Sciences Po. Ouais. T'as trouvé une faille et t'as aspiré le fichier avec tout. J'ai récupéré leur database, quoi. Avec toute leur database, tous les coordonnées. Ouais. Y compris des présidents, y compris des ministres, tout le show business. Bah, il y avait une liste de 250 000 personnes qui, en gros, a participé aux événements de Sciences Po qui sont libres d'accès, tu vois. Et par exemple, un président français, américain ? Ouais, je vais pas citer de nom, frère, ça serait mauvais. Non, mais je vais pas dire non. Ouais ? Mais des présidents américains ou français ? Bah, je vais juste dire oui. Je laisse l'imagination. T'as jamais essayé d'envoyer un WhatsApp pour voir si ça répondait ? Non, j'ai déjà envoyé un mail à Macron, j'aurais pas dû le dire. Putain, je le regrette déjà, ça rince. Mais ouais, voilà. Et t'as répondu ? Ouais. C'est vrai ? Ouais. Non, je te crois pas. Je te jure. Arrête, je te crois pas. Bah, frère, je te promets qu'il m'a répondu. Qu'est-ce que je te dise ? C'était à l'époque où il y avait une meuf qui lui envoyait des nudes. Il avait dû porter plainte. Tu te souviens de ça ou pas ? Non. C'était avant qu'il soit président, avant qu'il soit candidat, avant tout, frère, avant la barbe même. On était il y a 4-5 ans et j'avais senti qu'il allait être président. L'objet du mail, c'était « Voulez-vous devenir président de la République ?» Ah, c'est énorme. Et j'ai les screens et tout, je t'enverrai. Je te montrerai maintenant. J'en ai trop dit, ça rase, mais... C'est drôle, ça. Et donc, Sciences Po, t'as hacké les trucs, ouais, ils ont su que c'était toi, pour terminer sur le truc, et t'es passé en procès. Ouais. Enfin, pas procès, mais arrêté, perquisition, double perquisition même. Chez toi ? Juge, section cybercriminalité, enfin voilà. Nanterre ? Ouais, exactement. Je connais bien. Très bien. Et ils t'ont emmené, etc., machin, ils t'ont posé toutes les questions, machin. Ouais, mais c'était très... C'est-à-dire que je savais que j'allais me faire arrêter. En fait, parce que si tu veux, j'avais déjà contacté Sciences Po pour qu'eux règlent le problème. J'étais pas du tout dans une démarche criminelle. Moi, j'étais vraiment les frères. Si je fais pas Sciences Po, j'ai pas d'intégration sociale. Ça veut dire que mes études n'auront servi à rien. Enfin, j'ai même pas fait d'études. Donc j'aurais fait tout ça pour rien, en fait. Pour moi, être science-piste, ça me permettait après de pouvoir tenter l'ENA. Et quand tu fais l'ENA, après, tu peux tenter le gouvernement ou le président. Moi, c'est ça qui m'intéresse véritablement. Enfin, de quoi, le pouvoir ? Ouais, bien sûr, frère. Je voulais être président, moi, à la base, maître du monde. Mais quand ils t'ont arrêté, du coup, t'as fait mea culpa ou qu'est-ce que tu as joué ? Non, frère, ils savaient très bien que c'était moi. Moi, j'étais honnête dans la démarche où, en gros, quand je les ai appelés, je leur ai dit voilà, je fais ça pour protéger votre école. C'est-à-dire que si pour expliquer, personne... pardon, on n'a pas expliqué, c'est toi qui les as prévenus. Ouais. Alors, portez pas plainte, voilà, que vous ayez acquis les trucs, que vous sachiez qu'il y a une erreur. Ils ont quand même porté plainte. Ce qu'il faut comprendre aussi dans tout ça, c'est que s'il n'y a pas un hacker qui va voir. Le site en question pour leur dire voilà, vous êtes vulnérable, site reste vulnérable. Et si le site reste vulnérable, ça veut dire que n'importe qui peut hacker Sciences Po. C'est-à-dire, toi, tu rentres chez toi, tu hacks Sciences Po, pour de vrai. C'est d'une facilité enfantine. Tu voulais juste prévenir, entre guillemets. Exactement, je voulais prévenir et en même temps qu'ils réalisent, attends, le frère là, il veut rentrer à Sciences Po et en même temps il est dans des galères comme ça, donc je voulais essayer de. Okay. Je sais pas, enjoliver. J'étais fou, tu vois, je pensais que Sciences Po allait, je sais pas, aimer mon histoire, que peut-être qu'ils allaient se rendre compte qu'ils allaient faire une bonne action, je sais pas, frère. Et surtout, je leur ai fait confiance. Il faut jamais faire confiance au système, parce que oui, ils m'ont promis qu'ils allaient pas porter plainte, tout ça, blablabla, bla, bla, et le jour où l'article il est sorti, bah, la première chose qu'ils ont fait, c'est porter plainte. T'as été condamné à quoi ? J'ai eu un rappel à la loi. T'as revendu les données entre-temps ? Non, frère, tu m'as pris pour qui ? Est-ce que quand t'es emmené par la police comme ça, à Nanterre, etc., les grosses affaires, ils te mettent la pression ? Comment ça se passe ? Est-ce que c'est comme dans les films, non, où ils sont plutôt sympas, en vrai ? Non, c'est-à-dire que je me suis fait arrêter en fait par une brigade qui est spécialisée dans les fraudes sur Internet et spécialisée dans tout ça en fait, dans la cybercriminalité. Je me suis fait juger au parquet qui s'occupait de la section cybercriminalité. Donc c'est des gens qui sont
Frère, ça se voit, hein, je suis pas un gangster, je suis pas un méchant, je suis un petit juif errant masqué. Les gangsters, ça se voit jamais physiquement. Non, mais je suis pas un méchant, tu vois ce que je veux dire? Enfin, je sais pas. Il savait très bien que c'était trivial. C'était une arrestation, elle était triviale, frère. Je vais pas sortir par la fenêtre, hein, tu vois. Est-ce que je peux te poser des choses et tu me dis comment se protéger virtuellement? Vas-y. En fait, c'est intéressant ça, à savoir, même pour chez vous, ou Jimmy ou moi, tout le monde, en fait, c'est pas. Moi, le seul truc que je fais, c'est que je mets un truc sur ma webcam d'ordinateur. Est-ce que ça sert à quelque chose en vrai ou pas? Bah, quand même. T'as des choses à cacher? Non, mais j'ai pas envie qu'on me voit. Est-ce qu'on fait ta meuf, tu regardes un film dans ton lit, j'ai pas envie qu'il y ait un mec qui arrive à filmer. Exactement, tu vois, c'est de la vie privée, c'est-à-dire que même si t'as rien à cacher. Snowden, il dit une phrase, il dit que dire que j'ai rien à cacher parce que je suis pas un méchant, c'est la même chose de dire qu'en gros, je m'en fous de la liberté d'expression parce que j'ai rien à dire pour l'instant. Donc en gros, effectivement, quand tu fais l'amour avec ta femme, tu fermes les volets ou les rideaux. Mais c'est pas parce que t'as un truc à cacher, c'est parce que c'est ta vie privée, tu vois. Exactement. Là, c'est la même chose. Si t'as vraiment pas envie d'être espionné et tu penses que Facebook t'espionne ou que n'importe qui espionne, libre à toi de mettre de cacher ta webcam, vraiment. Comment on peut se protéger pour tout le monde qui regarde cette vidéo-là, si on se met sur une application de rencontre, sur Tinder ou sur un autre truc, comment est-ce qu'on peut se protéger pour les filles, pour les garçons, le plus intelligemment possible? À l'époque, tu sais, il y avait une mode, enfin, il n'y avait pas une mode, mais à l'époque, personne ne mettait son nom, son prénom sur Internet, on avait tous des pseudos. Princesse 34. Voilà, et c'est à cause des selfies, de création de la culte de la personnalité et des meufs sur Instagram, qu'en gros, tout le monde a commencé à se filmer, à créer une génération de mecs qui adoraient se filmer, tu vois. Mais à la base, on avait compris qu'il fallait être anonyme sur Internet ou au moins se créer des pseudos. Si, je sais pas, la chose la plus conne, ne mets pas ton vrai prénom, voilà. Tu veux mettre des vraies photos de toi, c'est normal, mais mets pas ton vrai prénom. Comment se protéger si on achète sur Internet? Ça, c'est un truc qui parle à tous les Français. Alors, il y a des fintechs, tu vois, c'est quoi les fintechs? Genre N26, Revolut? Absolument. Ils ont sorti des... C'est une technologie que j'aime bien, ça s'appelle des cartes virtuelles éphémères. Ah, mais oui, N26, c'est carte noire. Full black, il n'y a même plus les chiffres. Ça, c'est une banque, en l'occurrence. Okay. Mais ce que je veux dire par là, c'est en gros, ils ont juste, si tu payes, hein, bien sûr, ils ont une option, en gros, c'est une carte virtuelle. Et à utilisation unique, elle est éphémère. Tu vas te commander un Uber Eats, tu vas rentrer ta carte bleue, mais après, elle n'existe plus parce que c'est à utilisation unique. Okay. Ça, c'est tout con, mais bon, avec les banques, ils vont bientôt le proposer. Sinon, quelque chose de simple, mettez pas des mots de passe genre que tout le monde peut connaître. Votre date d'anniversaire n'est pas un bon mot de passe, le nom de votre gosse n'est pas un bon mot de passe, le nom de votre chat ou de votre chien n'est pas un bon mot de passe. Genre voilà, quoi, il y a plein de trucs comme ça qui sont logiques, mais qu'il faut éviter. Ouais. Putain, c'est hyper intéressant ça. Hein. Alors, dans Snowden, il dit qu'il faut mieux faire des mots de passe de phrases, genre je suis allé aux toilettes, par exemple, ouais, que xvdd. Alors, ça, c'est l'entropie d'un mot de page. C'est-à-dire que l'entropie, c'est la difficulté qu'un logiciel va avoir à craquer le mot de passe. L'entropie, Donc, en fait, pour avoir un bon mot de passe, vraiment, il faut qu'il soit déjà ultra long en termes de caractères. Entre 16 et 32, c'est bien. Après, c'est long quand même, ouais, 16-32. Majuscule, c'est chiffre. 16-32, c'est la fameuse. Il faut quelque chose de mnémotechnique que tu te rappelles, tu vois. Comme tu viens de dire une phrase Snowden, je sais pas quoi, et c'est souvent comme ça. C'est des petites phrases que tu apprends et tu remplaces les lettres par des chiffres, ou alors tu vas rajouter des symboles comme le symbole du dollar, le symbole euro, à la place des E ou à la place des S, tu vois. Tu vas. Enfin bref. Mais ouais, il y a plein de moyens de sécuriser son mot de passe. Comment se sécuriser en envoyant un nude? Quoi? En envoyant un nude? Ouais, mais tu sais que ça parle à plein de... J'avais peur de mal comprendre la question. Plein de jeunes filles, de jeunes gars qui s'envoient des nudes tous les jours. Non, mais en vrai, pour ceux qui le font, quel est le meilleur moyen de se sécuriser? Vous pouvez pas, vous êtes déjà mort. C'est-à-dire qu'en fait, quand t'envoies une photo à quelqu'un, t'es jamais sûr que lui, il va pas l'enregistrer ou la diffuser après par derrière. Donc par définition, il faut se dire que dès que tu mets quelque chose sur Internet, ça y est à tout jamais. Même si c'est supprimé sur Snap, par exemple, 5 secondes après? Même, ça change rien, frère. Internet n'oublie rien. Internet ne peut absolument rien oublier. C'est hyper intéressant. Est-ce que pour finir, tu avais ramené deux autres objets? Ouais, j'ai ramené. Est-ce qu'on peut essayer un truc déjà? Les câbles. Ouais. Mais ça, c'est choquant. Ouais, ça, c'est vrai. Certes, c'est des. Enfin, je te laisse expliquer, mais tu me demandes rien. En gros, c'est des câbles, en somme toute, on dirait des câbles Apple classiques. Hein. Donc, il y a plusieurs types de connectiques. Vous allez avoir le port Lightning, le port USB-C ou le port USB classique. En gros, port iPhone ou voilà, port. Voilà, classique. Mais en gros, dedans, tu peux injecter du code pour après délivrer un virus. Ça veut dire que moi, j'arrive, je suis là, je sais pas, je suis dans la rue. Ah frère, est-ce que tu peux charger mon téléphone sur ton MacBook rapidement, s'il te plaît? Tu le charges, t'es infecté. Donc en fait, les vecteurs d'attaque, il faut faire attention parce que ça peut être non seulement sur Internet, cliquer sur un lien type phishing ou un mauvais lien ou quelque chose comme ça, mais ça peut être physique aussi. Il y a, selon une université... De Tel Aviv, il y a à peu près 29 méthodes différentes pour infecter physiquement un ordinateur.
Et donc le physique, c'est une solution possible. Donc ouais, un mec qui vient qui dit je peux charger s'il te plaît, en fait il t'envoie un virus grâce à un câble. Voilà. C'est pour ça que c'est très important aussi pour tous les étudiants ou je sais pas ceux qui travaillent dans des open space de verrouiller leur session quand ils se lèvent. C'est-à-dire tu te lèves, tu vas chercher je sais pas, une boisson, une connerie. Si ton ordinateur il est déverrouillé, moi je peux mettre ma clé USB, je peux mettre mon virus en fait, tu vois. Si jamais c'est verrouillé, ouais. Tu peux pas l'infecter avec une clé USB. Moi je peux pas parce que je suis un grand moldu. Mais la NSA ou la CIA, frère, ils ont aucun problème pour ça. Hein. Même si ton ordi est... Mais frère, l'ordi éteint, tout ce que tu veux. Ils ont... c'est vraiment... C'est... Des sorts, ouais. Ils font ce qu'ils veulent. Toi, tu vis de quoi aujourd'hui? Tu continues tes activités ou c'est une question sombre, ça, frérot. C'est une question bien trop sombre. Non, j'ai arrêté tout ce qui était illégal, mais t'inquiète pas pour moi. Genre, je m'en sors bien. En fait, la conscience numérique, c'est très... Ce que je faisais, ok, c'était illégal, mais la frontière avec le légal, elle est fine, mon frère, à un point, tu peux pas t'imaginer. Donc, t'es toujours un peu sur le milieu. Ouais. Tu peux nous montrer un dernier truc? Ah, je peux essayer, ouais. On va essayer parce qu'il y a, pour expliquer, on capte très mal. En plus, il y a les renseignements à côté, donc il y a des brouilleurs de 4G. C'est pour ça qu'on capte un peu mal dans ce bâtiment. Mais tu vas essayer de faire un partage de co pour montrer en fait quelque chose. En gros, avec une clé USB qui va mettre 3 secondes sur un ordi, il l'enlève après, l'ordi, il est à lui, à distance. Donc vraiment, ça prend 3 secondes, vous allez voir, ça va très très vite. Et après, d'un ordinateur, il va pouvoir contrôler l'autre, finalement. On voit, t'as deux écrans. Ouais. En gros, à droite, t'as un ordinateur récent, à gauche, t'as un plus ancien Ouais, Mac. En fait, il va y avoir un ordinateur qui va me permettre de contrôler celui qui est infecté. Celui-là, c'est celui qu'on va infecter. Celui-là, c'est celui qui va me permettre d'envoyer les commandes sur l'ordinateur infecté. Voilà, c'est parti, t'as mis la clé. Regardez bien ce qui va se passer sur l'écran à gauche. Ça va aller très vite. Donc ça là, en gros, plein de trucs, ça fait des barres de recherche. En branchant la clé, elle agit comme un clavier. Elle va pouvoir taper du code dans le terminal. Donc tout le code qui est en train d'être tapé, en fait, c'est justement pour infecter cet ordinateur et après pouvoir lui envoyer des commandes et réaliser des trucs. C'est comme dans les films, là. Là, tu mets un truc, c'est en train de s'installer. Ça met quoi? Ça a marché par la grâce de Dieu, mon frère. On va pouvoir faire le truc. Et à droite, voilà, l'ordinateur, il est infecté. Là, ça y est, c'est fini. Là, imagine, t'es dans un open space. La clé USB, t'es un espion. T'as aspiré l'ordi. Tu l'enlèves. Et là, de chez toi, tu peux prendre tout. Donc là, en fait, l'ordinateur, il est infecté. Je le fais là en direct, mais j'aurais très bien pu aussi être chez moi maintenant, en fait. D'accord. À partir du moment où il est infecté, il n'y a pas besoin de proximité, et ça dialogue sur un serveur, sur mon... Enfin, bref. Mais... Et il n'y a rien à distance qui permet de... Enfin, pardon, pas à distance, mais là, sur l'ordinateur de gauche, pour le propriétaire, de voir qu'il est infecté. Aucun signe. Et c'est persistant aussi. Ça veut dire que si l'ordinateur, tu l'éteins et tu le réallumes, c'est encore là. Oh là là. C'est genre à vie. Si tu réinitialises pardon, l'ordi aux paramètres de défaut, ça l'enlève. D'accord. Et donc là, à droite, c'est tout noir. Donc là, t'es plus sur Windows hein, ou sur Mac. Non, si, c'est juste un terminal de commande, en fait. Mais c'est juste, j'essaie de taper. Attends. Faudrait prendre le son. Le micro. C'est le micro. On va voir si ça marche. Il s'est éteint, l'ordi de gauche. Abonnez-vous. Attends, à distance, tu fais parler un ordi qui n'a aucun signal de l'extérieur. Ouais. Ah ouais. Ah, ok. Et qui est éteint. Donc là, en fait... C'est hyper flippant, non? Salut Guillaume, comment vas-tu mon frère? Mon frère. C'est magique, parce que toi, t'entends ça, je t'en pensais. Mais attends, il est noir le clavier. Ouais, t'inquiète, l'écran. Ça marche. Et ça marche quand même? Ouais, bien sûr, c'est familial, frère, ça marche tout le temps. C'est... Attends, c'est et si par exemple, alors, on va pas le faire là, etc., machin, parce que j'imagine qu'il faut du code, etc., mais si jamais tu avais l'envie... Tu aurais le pouvoir d'allumer la webcam? Ouais, bien sûr. Hein. À distance? Tu peux même ouvrir une page internet à distance. Ça, c'est flippé. C'est-à-dire que là, je te hack, t'es n'importe où, je sais pas quoi, je peux t'ouvrir n'importe quelle page que je veux, je peux faire absolument ce que je veux. Je peux aller même sur mon site internet si j'en ai envie et voilà, je vais le faire parce que c'est de la promo sauvage quand même et que je suis insolent. T'imagines, t'es sur ton PC, t'entends Guillaume Play. Hyper... Voilà. Si t'es sur ton PC le soir, t'entends bonjour Guillaume. Envie de faire parler Amélie. Abonne-toi, frère. Si t'as envie de faire parler Amélie, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, j'ai 200 abonnés, les frères. Oui, c'est ta chaîne Rabin des Bois sur YouTube, c'est bien. Abonnez-vous. Ouais, vous pouvez aller vous abonner du coup sur la chaîne Rabin des Bois. Voilà, on vous mettra le petit lien dessous, d'ailleurs en dessous de la vidéo, en lien cliquable, comme ça tu auras des abonnés. J'ai vu que t'avais mis ton passage chez Ardisson. Mm-hmm, bien sûr, j'ai aussi fait des vidéos sur le futur du cybercrime, je vais faire des tutoriels. En fait, tout ce qui va aider à développer la conscience numérique, je vais essayer de faire en fait. Donc, il y aura plein de choses. Et dans le livre, en tout cas, si vous voulez chercher les copains, il s'appelle Lève-toi et code. Ah merde, j'ai pas entendu. Attends, faut mettre le mic. Va te faire perquisitionner, tu peux répéter ou pas ? Guillaume, tu vas te faire perquisitionner. Lève-toi et code. Confession d'un
Striker, c'est aller chercher, c'est aux éditions de la Martinière, c'est ça? Voilà. Oui, c'est ça. Martinière, c'est aller chercher. Il y a tout ce dont on vient de parler depuis tout à l'heure dans le livre. Merci beaucoup, Ravin des Bois. Je ne connais pas ton prénom. Je ne connais pas ton prénom, mais c'est un plaisir de t'avoir. C'est un plaisir, les frères, d'être là. Ouais. Merci de m'avoir invité. C'est hyper intéressant. Oui. Voilà, c'est le livre, si vous allez chercher. Il est à la FNAC, il est partout. Hein, partout, pour le FNAC, Amazon, où tu veux, Poudlard, on livre, partout. J'ai vu que tu as mis des photos de sur Instagram du classement des livres qui était au-dessus de François Hollande. Ah, bien sûr, best-seller devant le président, Castacrume. En tout cas, est-ce que... Avant de se dire au revoir dans 10 secondes, est-ce que tu as un dernier truc à dire qu'on n'a pas dit à propos du Darknet, un truc qu'on a oublié de dire? Ouais, juste un truc tout con, pour les gens. Il y a beaucoup de personnes qui vont mal, ok? Beaucoup de désaxés, de tarés, des personnes qui ont des problèmes, qui sont mal dans leur peau, mal dans leur tête. On vit dans la plus grande époque au monde, je pense, en termes de révolution, c'est-à-dire qu'on a Internet. Ça se voit pas forcément, mais vous avez toutes les cartes en main pour au moins devenir riche et au moins vous en sortir, être heureux, c'est quelque chose d'autre. Mais vous n'avez pas besoin de l'État, vous n'avez pas besoin de CDI, vous n'avez pas besoin, en fait, d'être contrôlé pour réussir à obtenir votre propre liberté. Il faut juste Internet et une connexion et un PC. Très bien, c'était ta vision. Merci beaucoup. Merci d'être venu. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci, merci à tous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine dans le QG. Les liens sont en dessous pour venir en public aussi, si ça vous dit. Vous êtes les bienvenus. Il est très au plaisir de faire cette émission avec vous chaque semaine. À la semaine prochaine.